Salut à tous, c'est Stielko. Aujourd'hui, avec qui je suis? Tino, Lémi, Cody. Et ouais, et les toutous qui sont là à côté. Ils font toujours les foufous. Alors, ce matin, en se réveillant, les enfants m'ont dit: papa, on est en confinement, on aura quelque chose à te demander. Parce qu'ils ont la chance de m'avoir tous les jours. D'habitude, ils sont tous les jours avec maman, mais moi je travaille et je suis pas tout le temps à la maison. Donc ils m'ont dit: est-ce qu'on peut faire un 24 heures où tu dis oui à tout? J'ai dit: bien sûr, mes enfants. Je pense pas qu'ils vont me demander des trucs terribles, parce qu'on est à la maison, on ne peut pas sortir de chez nous, mis à part dans le jardin. Donc ça commence aujourd'hui et c'est l'heure de manger. Donc là, je leur ai dit: bah, écoutez, on va passer à table et on va aller manger. J'ai déjà préparé la table et ils m'ont dit: oui, mais tu vas voir, quand tu vas préparer à manger, on va te demander quelque chose. Donc là, je vais leur demander de passer à table. Les enfants, on passe à table? Non. Oui. Non, ça c'est nouveau ça. Oui. Alors, et puis on mange sans avec les doigts. Avec les doigts, on mange. Oui. Et si c'est de la sauce? Non, on s'en fiche. Non, ce midi je vous ai préparé des spaghettis. Vous allez manger avec des fourchettes quand même. Non. Non. Des pirates. Des pirates. Alors là, par contre, je ne m'attendais pas à ça. Puis ils font les malins parce qu'il y a la caméra. Toi, je mange par terre et vous mangez sans couvert. Ouais. Mais ça, on n'était pas tous. Ok, bon, moi j'avais préparé la table. Je respecte leur choix. Messieurs les rois, je vous prépare tout ça. Et puis tu veux me donner de l'eau? D'accord, je te rapporte ça. Pas trop long. Voilà, alors en fait, je sais pas dans quoi je me suis lancé, mais ils sont tous bien complices, ces trois petits bouchous là, parce que on mange en couvert, donc eux, je crois que ça doit leur plaire. Qu'est-ce que vous mangez, les enfants? Spaghetti et saucisse. Par contre, c'est vrai que c'est rigolo de manger comme ça. Ouais. On va demander à maman qu'elle mange comme ça aussi. Ouais. Je crois qu'elle va pas vouloir. Ça fait bien parce que c'est maman qui décide, c'est pas toi là. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est nous qui décide pour toi. Voilà. Après, on va faire les devoirs. Non. Comment ça? Non, mais lundi, il y a des devoirs. Non, j'ai pas envie. Bah demain, on en fera le double. Eh ben désolé. Ben oui, parce que demain il n'y a plus de 24 heures challenge. Oui. Tiens d'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo, dites-moi si ça vous irait, que ces 24 heures, c'est les enfants qui disent oui à tout à papa ou à maman. Ça peut être une bonne idée. Bon, en attendant, on finit de manger. La pâte à sel? Oui. On va demander à maman qu'elle nous aide parce que je sais pas la faire. Mais non, vous allez en faire ou à l'école? Voilà. Je vous garantis pas que vous allez réussir. Je vais regarder la recette sur internet, d'accord? Oui. Bon, je vais vous préparer ça et on va faire la pâte à sel. Laissez ouvert un petit peu la fenêtre, il fait beau. D'accord. Messieurs, j'ai essayé de faire la pâte à sel, je voulais en faire plus, mais on n'avait plus assez de farine. En temps de confinement, vous savez très bien que pour aller faire les courses, c'est difficile. Donc, je vous ai fait ça. Amusez-vous, les enfants. Allez. Attends, non. Bah, ce qu'on fait... Bah, attends. Tiens. Une pâtée pour toi. Une pâtée pour toi. Et voilà. Alors, vous faites le plus beau dessin. Maman, je voulais faire ma main. Tu veux faire quoi? Maman. Ta main. Ah oui, mets ta main. Bah, attends, tu fais ça. Tu l'aplatis. Mets ta main dedans. Moi, je veux faire une main. Et de toute façon, on verra... On verra le résultat à la fin, à ce moment-là. Ah. Oui, je te dis. Quoi? On verra. Moi, je peux faire une machine. Une machine. On verra celui-là qui a fait le plus beau dessin, d'accord? Ouais. Et on montrera. Bon, après, il faut faire cuire au four, je pense, et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, on montrera le résultat. Papa? Oui? Est-ce que vous pouvez manger sur CD? Ouais, attends, je... Non, mon mail, d'accord? Papa! Tout de suite! D'accord. Allez, t'as fait, tu es à court! Alors, tu vas voir le sucre. Tu vas voir le sucre.
Alors, on va faire le serpent. Oui, le serpent. Le serpent et les... D'accord. Alors, on va être autre chose si on fera 99. Attends, on commence une petite culture, d'accord? Oui, attends, on peut l'ouvrir. Allez. Sois dit. Ouais. On peut l'ouvrir comme ça. Tu prends le jaune, toi, le rouge. Mais moi je prends un petit bleu. Le jaune, il porte de chance parce qu'en même temps. Oh, Orso, vous êtes nous. Orso, alors. Allez, tu seras le petit chien. Allez, Cody, à toi de lancer. Mais va des petits chiens, un. Un. Deux. Non, non, on commence loin. Alors, toi, t'es à un. À Tino. Ex aequo, Lenny. Deux. Hop, hop, hop. Trois. Oh. Et ça fait ça, un, deux, trois. Non, ça fait un. Qui un, va gagner? Ah oui! Parce que là, je peux monter l'échelle. Donc j'arrive directement au 25. Arso! À toi, Cody. Sois joint. Donc du coup, là, j'ai mon petit supporter qui est avec moi. Parce que là, on est arrivé à la case 25. J'ai la chance parce que je suis tombé sur le numéro 3. Et directement, on peut gravir avec l'échelle. À Cody. Ah, regarde, il t'encourage aussi. Allez, Cody. Ouais, deux. Bon, ça va, ils t'en font pas trop baver, les enfants? Non, oh, ils sont gentils. Bon, ils me demandent... Ils me demandent énormément de choses à la journée, des trucs... Et, et voilà. Mais bon, c'est le jeu, j'ai accepté ce défi. Je suis au niveau 25. 4. Ah, qui va gagner? Alors, voilà, on a fini le haut. La pâte à sel. Ouais. Alors, après avoir laissé pendant une heure au four, on a fait donc les empreintes du chien. Donc, ça, c'est les empreintes de Dougie, les empreintes d'Orso. Ensuite, Tino, il a fait un très beau escargot. Ouais. Avec une corne. Donc, c'est un escargot licorne. Non. Hein? C'est un rhinoscargot, je crois. Un rhinoscargot. Et puis, une nouvelle espèce. Ça, c'est mon cœur. Tacos. Et puis moi c'est mon cœur chien. Ah ouais. Et puis lui, attends, c'est le bébé de lui. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est trop mignon. Et maman, elle a fait non, je vous aime. C'est qui qui a fait ça? C'est Lenny. Ah, c'est Lenny, d'accord. Mais parce que c'est pour papy et mamie. Ah, c'est pour papy et mamie. Bon bah voilà. Si papy et mamie vont regarder la vidéo ça, avant qu'on vous revoie après ça, le confinement. C'est le tacos pour papy et mamie. Ah d'accord. Tu veux le remplir, tu vas le remplir de quoi? C'est le mien. Je vais le remplir de il m'appartient. De maillot, de viande et de jambon. Alors là les enfants, douche ou bain? Bain. Un bain? Ouais. Bon, on va prendre le bain et puis après on mange? Ouais. C'est parti, allez, au bain. C'est parti. Et pyjama. Papa? Oui. Est-ce que avant de manger, tu veux faire une partie avec nous? Un défi. Si tu perds en lucratif, tu nous as fait ce qu'on veut. Dans la boutique. Il me semble que vous en profitez beaucoup de cette journée, vous, hein? Ouais. En limite de 3000 V-Bucks. Oh, non, mais 3000 V-Bucks, ça fait combien ça? 30 euros, mais non, plus. Hein? De quoi? Viens. Mais attends, une question, ben, ça c'est quoi déjà le mode créatif? On peut se tuer en ami. On joue un contre un. Si je gagne, j'achète rien. Il y a des modes où on peut faire un contre un. En fait, il y a tous les armes qui existaient avant ouais. Les nouvelles armes. Alors, écoute-moi. Si je gagne, j'achète rien. Si je perds, je vous achète plus de 3000 V-Bucks. Ouais. Je vais gagner. Minimum 3000 V-Bucks. Minimum. D'accord. Maximum, ça peut être 100 euros, tu vois. Je sais, je vais gagner. À part si y a des skins qu'on n'aime pas, bah, on va pas acheter 100 euros. Il faut quand même te laisser un peu respirer, quoi. Alors là, on lance le matratif. On est dans le salon, papa et moi. Alors, ils m'ont donné la Switch parce qu'on ne peut pas jouer à deux manettes sur la PlayStation. Non. Donc lui, il a pris la PlayStation, moi j'ai pris ça. Ils m'ont mis en mode créatif, c'est-à-dire le premier qui se tue a gagné. Ah, donc on peut regarder sur la télé qui va se tuer. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'on vous voit tous les deux dans la télé ou pas? On va voir tous les deux là. Oui, mais je vais choisir les armes parce que... Non, bah, mets-moi sur mon écran. Alors, j'ai mon supporter qui est là. Mais Cody, si je gagne, t'as pas de V-Bug aussi. Tu serais mieux de te mettre dans l'équipe à Latino. Et papa, ouais. Je trouve trop fort. Faut plus que tu me donnes trop de conseils parce que si tu me donnes des conseils, t'es trop gentil, mon bébé. Mais si tu me donnes trop de conseils, bah je vais gagner des V-Bugs. Allez. Alors, non, je vais pas mettre. Dis-moi d'où on choisit ses armes.
cette Inola. Tino, une question, c'est commencé là ou pas le jeu? Attends, non, là il faut juste. Alors, Lémi, c'est. Attends, tu peux me passer ou pas, Tino? Ouais. Lémi va. En fait, il faut vous expliquer parce que nous on connaît pas. Hein. Alors, en fait, il faut. Attends. Il faut faire quoi là en fait? Alors là, on va mettre. Alors, ça. On va mettre. Non, box PV. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Accès. C'est bon là, c'est commencé? Chargement, attends, c'est sûr. C'est ici, papa. Voilà, chargement, tu montes ici. Et là, ça charge. Voilà, merci. Eh ben, dis donc, faut connaître. Hein. Ah oui. Voilà. Non, en fait, il y a des modes, mais il faut modifier pour, si tu veux. Là, t'attends que tu veux. Moi, je suis qui? Je suis la fille ou le garçon? T'es la fille. D'accord. Enfin, c'est. C'est parti, là. Attends, là, ça charge. Ça charge, là. Non, c'est compliqué tout ça. Là, tu vas créer ta base. On construit. Alors là, ça va bientôt. Comment on sait quand est-ce que c'est commencé? Oui, bah c'est dans 10 secondes. Démarrage de tout dans 10 secondes. C'est marqué où? Ah oui, d'accord. Ils sont les armes. Bah tiens, il y a Dougie qui nous a rejoint. C'est dans 3. Et 7, ça commence. Alors, ça rend la partie. T'inquiète pas, papa, je vais me dépouiller. Je vais juste te. Allez, c'est parti, let's go. Construis, papa, c'est le grand arme. Ah, j'ai déjà des armes. Je vais quand même un petit peu tout. Et comment voilà. Je peux savoir que t'es où là? Je voulais mettre une box. Il est là. C'est papa ça? Bah non, c'est moi, j'ai réussi à le tuer là. Ah, tu m'as déjà tué? Ah oui, d'accord. Ça y est, tu l'as déjà tué? Ça y est, la partie non, est finie là. Est-ce que je peux la faire? Non, bon bah. Attends. Ok. J'ai rien compris. Bon bah j'ai perdu. Qui dit perdu dit bah tu sors la carte bleue papa. Alors les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Donc là il y a 0 V-Buck. Alors. Voilà. Parce qu'on a tout dépensé déjà. Ah, alors je veux ça. C'est qui lui? C'est attends comment il s'appelle je sais plus. Mais en tout cas. Eh vous l'avez pas en pop celui-là? Il est là. Oui. Ah il me semblait bien. Regardez, c'est lui là. C'est lui. Eh il est là. C'est l'aviateur. C'est le même. Alors. Donc du coup, faut qu'on... Il en faut combien? 2000 blocs. Et puis c'est tout? Non. Bon alors, on met les numéros de cartes. Et tu veux quoi encore? Et infini, Lémi. Non, ouais, infini. Infini. C'est qui infini? Oui. Non. Bon, on achète les V-Bucks et on revient tout de suite. Allez, ouais. Let's go. Je crois qu'ils vont m'avoir là. Bon bah, voilà. Ils ont quand même réussi à me planer parce que j'étais parti sur le 2800 V-Bucks. Mais en fait, il leur manquait quelques V-Bucks pour avoir leur petit bonhomme infini ou je sais pas quoi. En fait, on en avait que deux. Ils avaient vu lui avec. Bon, en tout cas, je crois qu'ils m'ont bien arnaqué. Tout ça pour une partie de Fortnite. C'est qui tu prends lui? C'est. Comment il s'appelle? Les voilà. Donc là, il en reste 3000 parce que t'as dépensé 2000 pour un petit bonhomme là. Ouais. Et puis lui, c'est qui tu prends? Ah, c'est plus infini, vous prenez lui du coup? Ouais. C'est qui le jeune? Lui parce que. Bon bah voilà, ça part vite les V-Bucks hein. Ouais c'est clair. Bon là il en reste 1500. Attends c'est quoi? Allez mais tu vas dans le snow. Bon bah voilà. Allez les enfants, jouez bien, moi je joue plus. Allez. Du coup on s'apprête à se mettre dans le lit pour regarder un petit film. Pour regarder Stranger Things. Alors il me tanne à regarder Stranger Things, on n'a jamais regardé. J'ai regardé un petit peu les avis sur internet, donc là on va commencer à regarder les 10 premières minutes, voir si ça fait peur ou pas. Parce qu'il y a des commentaires qui disent c'est bien, bah, ça a l'air d'être super, et il y a 3 saisons. Donc dites-nous vous en commentaire si vous avez déjà vu la saison de Stranger Things. En tout cas les critiques sont bien. Donc je voulais vous dire aussi, le repas, j'ai pas filmé, mais ils m'ont demandé un McDo. Et chose qui est impossible parce que McDo en ce moment il est fermé, c'est vrai que ça nous donne envie, donc je leur ai fait des hamburgers maison. Voilà, j'ai fait au mieux. Bon bah, on regarde. C'est bon, plus rien d'autre, vous avez plus besoin? Bah des bonbons, tu crois quoi toi? Non, non, oui. Pas des bonbons dans le lit, oui. Vous avez les bonbons. Oui, oui. Tout le monde a des bonbons? Ouais. Tout le monde. Oh, c'est de l'eau et du jus d'orange. Maman qui filme derrière la caméra. Je veux dire de l'ASD. Maman, elle est désespérée, elle dit non, c'est pas possible.
À ton tour bientôt, maman, de faire ça. Non, bon, jamais dit oui, moi. Allez, je vais aller chercher les bonbons. Bah, on dit d'abord au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir, les pour ce pouce bleu. Abonnez-vous sur la chaîne de papa. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bisous. Ciao, ciao. Cherchez les bonbons, les enfants.